On est parti aujourd'hui les amis sur Fortnite Battle Royale pour un nouveau défilé de mode avec des abonnés. J'ai actuellement 16 abonnés en face de moi et ils vont tous se battre pour savoir qui est le meilleur en défilé de mode. Eh frérot, t'as oublié de me présenter parce que les gars, j'ai incrusté le défilé de mode de Jean-Phi, je l'avais fait avec Unchained. Et là frérot, je vais essayer de gagner ton défilé de mode. Tu peux pas être plus fort que mes abonnés gros, c'est impossible, c'est sûr que tu vas perdre des HM. Frérot, je pense qu'on est tous là et on attend le premier thème. Attention, rentrez dans vos cabines les amis, le thème c'est le thème rare. Je vous laisse une minute pour vous déguiser. Ok, donc là les gars, je sais pas trop quoi prendre comme skin, en sachant les gars qu'ils jugent aussi la pioche. Donc là, faut faire très très gaffe, ils jugent la pioche et tout. J'hésite beaucoup parce que j'ai envie de prendre en vrai John Wick, tu vois, le premier John Wick, j'ai envie de le prendre. Il est assez rare, mais je pense que le skin Ezio Auditore de Assassin's Creed, c'est vraiment le plus rare. On va modifier le skin, c'est quoi, et on va se mettre comme ça. Voilà, on va s'équiper. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on doit trouver un sac à dos rare. Travis Scott, qui peut être un sac à dos rare en réalité. Je pense que c'est mon sac à dos le plus rare. Et en vrai, les amis, au niveau de la pioche, je sais, j'ai une pioche qui est rare, les refs. C'est une pioche qui date vraiment, qui ça fait très longtemps qu'elle est pas sortie dans la boutique. La faucheuse, les refs, c'est une pioche assez rare. Mais ce que je peux faire, les amis, attendez, on va sortir. Ok, frérot, moi j'en fais, j'ai fini, je suis prêt. J'ai mis mon combo ultra rare, frérot. T'as mis un skin ultra rare. Ah bah j'espère bien. Alors on va commencer par ce premier skin. Est-ce que le skin Galaxy Amphi est un skin rare? Le skin Galaxy Homme, il est ultra rare. Par contre le skin que tu as, il est beau. Pas trop rare, mais c'est vrai qu'on le voit pas tous les jours dans la boutique Fortnite. Donc je te laisse passer pour cette première manche. Le premier skin PlayStation, tu passes direct hein. Le premier skin PlayStation, il est rare? Ouais, le skin PlayStation, il est rare, le tout premier. Ah, je savais pas. Pareil la pioche, pourquoi elle est noire? Je suis désolé mais tu passes pas le premier round mon gars, désolé. Le skin Spider-Man jaune, il est vraiment pas facile à voir parce qu'il faut être niveau 200 dans la saison du chapitre 3, donc toi tu passes direct mon frère. Alors aussi on a le skill Ghoul Trooper, mais le problème mon gars c'est que t'as pas la variante rose. Tu passes pas le premier round mon frérot. Frérot, il y a beaucoup de morts là, ça me fait peur là. Ouais, t'as intérêt à avoir un skin rare, sinon je te tue toi, ok. Ça se trouve je suis encore vivant, tu sais pas. Le combo est juste incroyable et effectivement Midas c'était saison 2 chapitre 2 hein. Donc en vrai je te laisse passer, ton combo il est ultime. Let's go, merci Jean-Fils. Oh c'était toi? Peut-être. Il me dit non avec sa tête. D'ailleurs les amis, j'en profite que Jean-Fils est en train de juger les petits skins pour vous rappeler de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. 88% des gens qui regardent cette vidéo sont pas abonnés frérot. Abonne-toi. Du coup ici on a le Bright Bomber aka la Terreur Fluo, un des premiers skins que je me suis procuré. En vrai j'hésite mais je te laisse passer. C'est quoi ça? Salut mec, ça va? Ah c'est toi? Non c'est pas moi. C'est le skin PlayStation, voilà. Il est seulement disponible pour ceux qui ont PlayStation Plus. Mais en vrai je suis désolé. Gros, je te laisse pas passer le premier round, mon gars. La pioche ne va absolument pas avec le skin, mon frérot. Je suis désolé, tu passes pas le premier round. C'est toi, ça, non? Non. Attends, c'est pas le skin Assassin's Creed? Non, mais jure, il a le skin Assassin's Creed, le gars. J'ai jamais vu, moi, personnellement parlant. Il y a un truc qui va pas, c'est le sac à dos. Le sac à dos, il va pas du tout, là. Mais bon, je te laisse passer pour ce premier round, les gars. Let's go! J'ai passé le premier round, c'était moi Assassin's Creed. Mais je vais pas te dire frérot, j'ai changé de cabine. Comme ça tu pourras plus me voir. Attends mais comment t'as fait pour avoir ce skin gros? En fait c'est Fortnite qui me l'a envoyé. Et pour l'avoir t'es obligé d'acheter le jeu Assassin's Creed. Il va jamais sortir dans la boutique ce skin. Merci pour l'info gros, juste après la vidéo j'achète Assassin's Creed. Quel est le thème de la deuxième manche Jean-Fils? Rentrez dans vos cabines les gars, le thème c'est sport. Moi ce que j'ai envie de faire les gars, de base j'allais prendre Neymar. J'allais prendre Neymar, grand classique et tout. Mais je me suis dit, en fait Neymar les gars c'est un skin que beaucoup de gens ont eu gratuitement. Du coup ce qu'on va faire les gars, c'est que je vais tout simplement prendre un joueur de basket. J'ai envie de prendre un joueur de basket. Les gars, j'ai envie de prendre monsieur LeBron James. Ou non attendez les gars, je peux tout simplement mettre la joueuse de tennis. Est-ce qu'on dirait une joueuse de tennis? Oui c'est une joueuse de tennis, faut juste que je mette la pioche qui aille avec les refs. Il vous reste 20 secondes pour finir votre tenue. On a tout simplement mis la raquette, c'est parfait les gars. Et faut juste que je trouve la danse qui va avec ça. On a mis la petite danse de tennis et on va l'impressionner les gars, let's go. Ok frérot, moi je suis sorti, je suis prêt. J'ai même mis une danse avec, comme ça tu vas kiffer. Ok, sortez tous de votre cabine. Le temps est écoulé, c'est parti. Alors on commence juste ici. Wesh, mais attends, c'est quoi ça? Oh, sport, il fait de la musculation. Comment dire, tu as le skin de Gunnar, ton skin il va pas du tout avec le sport, je suis désolé. Mais en vrai les mots, on va pas se mentir, c'est du sport. Donc vas-y, je vais te faire passer, mais t'as intérêt dans le prochain round à être plus fort que ça. Attends, sinon t'as un beau corps musclé, t'as l'air de faire de la musculation toi. Par contre ton sac à dos gros, je comprends pas. Pareil pour ta pioche, c'est quoi ça? Y'a aucun rapport avec le sport, je suis désolé mon gars. Mais toi ça dégage en fait. On a LeBron James qui joue au basket et il a le ballon de foot derrière. Ah, par contre là je sais pas pourquoi il a mis un ballon de foot alors qu'il a des ballons de basket partout. Mais vas-y, t'es dans le thème, je te laisse passer. Tu sais que de base j'allais mettre ce skin hein. Au tout dernier moment j'ai changé, heureusement, parce que sinon on aurait dû faire un duel avec l'autre. Là je vois un truc très perturbant gros. Comment ça se fait qu'un joueur de foot a un piquet de golf? Je suis désolé, ça passe pas, ça passe pas. Mais le pauvre. La joueuse de tennis, attention, voyons voir. Ah, elle est trop forte. Waouh.
Attends, laisse-moi voir ton sac à dos, ok. Et ta pioche, montre-moi ta pioche, s'il te plaît. Ah ouais, une raquette. Ça passe crème, ça passe crème. Ozen qui fait du karaté, peut-être. C'est bizarre quand même. Bah après, le karaté, c'est du sport. Ouais, mais le skin avec une batte, enfin, moi, c'est pas trop mon style, donc désolé. Soit je t'ai déjà laissé passer, ou soit c'est toi la dernière personne. Attention, vas-y, ok, elle fait de la boxe. Attends, le sac à dos, vous voulez voir le sac à dos? Oula, ça a pas trop rapport avec. Le sport, désolé. Il ne reste plus que 5 personnes en vie. Tu veux savoir j'étais quel skin, frérot? T'étais le blonde James, non? Non. Oh, t'étais elle? C'est moi. Oh non, c'est une skin de fille. Ou pas que je reconnaisse, bien joué. C'est quoi le prochain thème du coup? Attention, le prochain thème c'est une couleur. La couleur bleue. Ok les gars, le prochain thème c'est couleur bleue. On va devoir trouver un combo de skin couleur bleue. En vrai, t'as vu, dès que j'ouvre ça, moi je vois la petite banane. La petite banane elle est toute bleue, la banane polaire. On va commencer par ça, mais on va quand même voir si on a quelque chose de bleu en plus. On a Mystique qui est pas totalement bleu. Le skin glace, c'est un skin qui a été gratuit pour tout le monde et je pense que je vais prendre Trog, les gars. Je vais prendre Trog. D'ailleurs, les amis, petite parenthèse pour rappeler de mettre le code créateur DHM dans la boutique. Merci beaucoup à tous ceux qui le mettent, vous êtes les boss. Bon, les gars, on va rester dans le thème glace et on va simplement mettre un cube de glace, je pense. Voilà, on va mettre un petit cube de glace et on va mettre une pioche qui est en lien encore une fois avec la glace. De souvenir, les amis, on a un truc avec un cube de glace. Oui, on a la hache de glace. Du coup, les gars, c'est parfait. En vrai, les gars, on va rester en thème full glace, full bleu comme ça et je pense vraiment que c'est très très bien. Maintenant, faut qu'on trouve une bonne danse. Let's go les gars, on a une danse qui est toute bleue. Let's go les gars, on va pouvoir sortir de la cabine. Jean-Fils, il nous reste combien de temps pour nous changer? Il vous reste 10 secondes. Je crois que tout le monde est sorti, frérot. Bonne chance à vous les refs. C'est parti et on commence juste ici. Le skin a l'air pas mal. Le sac à dos qui est un peu trop bleu foncé, mais en vrai je laisse passer. Bien joué à toi et voyons voir. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ça? La danse est pas mal, effectivement parlant les gars. Sors-moi ta pioche mec pour que je vois un peu à quoi ça ressemble là, vite fait parlant. En vrai le mec il a pris un thème qui est full glace, pas mal. J'ai pas pensé. On dirait le thème qu'il a pris, c'est thème glace. Alors que j'ai mis dit thème bleu. Regarde, il y a des poissons rouges, gros. Je suis désolé. Ça passe pas. C'était moi. Mais j'ai pris un thème tout bleu. C'est de la triche. Regarde, ça, c'est tout bleu, gros. Oh non, il a raté. La pioche est pas du tout bleue du tout. Oh non, je suis désolé. Ça passe pas. Oh là 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 là. Lui, il est vraiment dans le thème. Regarde, regarde, regarde. Il est vraiment dans le thème. Lui, c'est monsieur bleu. Après, il a triché. Il a pris le skin super héros. C'est de la triche. Bah, c'est pas de la triche. C'était accepté. Ok, la pioche est une pioche bleue. Franchement, c'est propre. Et attention, voyons voir. Lui, tu le laisses passer? Gros, je le laisse passer d'office, mec. La banane bleue avec le lama bleu gelé. Franchement, ça passe crème. Il ne reste plus que 3 personnes pour cette finale, les gars. Je suis vraiment heureux que DHN ne puisse plus participer. Du coup, je vais juger avec toi les derniers, frérot. Du coup, pour ce dernier thème, les gars, le thème c'est tryhard. Vous êtes plus que 3. C'est la finale. Je veux le plus beau skin tryhard. Au départ, ils sont 3. À la fin, il n'en restera qu'un. Allez, du coup, la finale a commencé. Nous avons les 3 skins pro en face de moi. Les gars, rapprochez-vous de moi. Mettez-vous ici. Oulala, c'est quoi ça, ce sac à dos? Oulala, le sac à dos laisse à désirer, d'accord. Pas très tryhard tout ça. Ok, ce skin, oh, il fait peur avec les yeux rouges comme ça. La pioche qui nous fait rappeler les skins tryhard. J'ai rarement vu des joueurs pro avec, jouer avec une cape. Nous avons ici le troisième skin, le skin super héros. Mais les gars, vous avez jamais tryhard ou quoi là? C'est quoi ces skins? J'ai jamais vu de joueur pro utiliser le skin super héros. Oh mec, désolé. Et moi, je vous annonce que c'est cheveux gris qui remporte la victoire. Bien joué à toi, tu remportes la victoire. En vrai, c'est... En tout cas, les gars, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vais t'en liker, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Mettre le code créateur DHM dans la boutique. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.